On va commencer avec les all-terrain. Donc, comme on n'a plus cette gamme resort qui était des skis de piste, on a un de ces skis qui était dans la gamme resort qu'on a rebasculé dans la gamme all-terrain. Et en fait, c'est le Vertis. Parce que le Vertis, on s'est rendu compte que malgré tout, c'est un ski qui est quand même à l'aise dans à peu près toutes les situations. Alors évidemment, ce n'est pas un ski de poudreuse, mais on s'en sort quand même pas mal. C'est le ski le plus classique de notre gamme et le plus tolérant dans cette gamme all-terrain. On a un vrai cambre assez long, vraiment classique, un relevé de talon plutôt court, talon un petit peu pincé, et un rocker avant qui est assez court et surtout très progressif. Donc c'est plus un rocker de direction. Vraiment, on a une facilité d'entrer en courbe avec ce ski-là parce que on a ce rocker qui est très progressif. Donc quand on met le ski sur l'angle, il part en courbe. Malgré tout, avec le cambre qui est vraiment long et assez creusé, on a un ski qui a beaucoup de stabilité et beaucoup d'accroche sur à peu près tous les terrains. Évidemment, si on a un skieur de 10 ans de club, racer qui vient et qui skie comme un ski de géant avec ce ski-là, il va trouver la limite du ski, c'est évident, il n'est pas fait pour ça. Par contre, c'est un ski qui procure vraiment énormément de stabilité et en même temps, pas un côté très physique sur les cuisses. Donc, la clientèle qui adore ce ski-là, c'est clairement des gens en général qui sont plutôt bons skieurs, qui skient plutôt pas mal le matin, qui se font une bonne pause midi et puis ensuite l'après-midi plus tranquille ou avec les enfants ou des choses comme ça et qui veulent pas avoir les cuisses qui fument en fin de journée. C'est aussi un ski qui est hyper apprécié sur les skieurs intermédiaires, un peu piste bleu-rouge, parce qu'il est hyper sécurisant. Il est pas compliqué pour mettre en courbe, on n'a pas besoin de le charger ou quoi que ce soit. Et il garde cette stabilité qui fait que quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui sur les pistes va se sentir vraiment confortable sur ce ski-là. Et en même temps, c'est un ski qui ne va pas freiner la progression. Parce que justement, on a quand même ce ski qui reste performant quand on le pousse un petit peu plus loin. 85 au patin, ça veut dire qu'on a quand même un ski, quand il y a un peu de poudreuse sur le côté, qui peut s'amuser un petit peu dedans. On va être limité, évidemment, mais qui peut quand même s'amuser. C'est pour ça qu'il est dans le all-terrain. Mais il a un caractère très alpin. Et on voit bien qu'on a quand même cette forme très alpine, talon carré. Donc, c'est du tout-terrain de piste, on va dire.